photographie, c'est avant tout une passion. Une passion qui m'est venue au fil de mes voyages. Tout a commencé en 2013 en Nouvelle-Zélande. Je suis parti juste avec un petit appareil compact. Je me suis mis à prendre tout et n'importe quoi. La passion est venue comme ça. Et petit à petit, elle a grandi. Elle s'est développée. Et 10 ans après, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir la pratiquer de manière professionnelle. La photographie, c'est un moyen d'expression. C'est un art qui peut prendre des formes multiples, suivant les personnes. Pour ma part, la photographie rime avec voyage et nature. C'est ma manière à moi de montrer mon regard sur le monde à travers mon œil, à travers mon objectif, afin de transmettre des messages. Le voyage, c'est vraiment l'envie d'explorer le monde sous toutes ses facettes, sous toutes ses formes, d'aller à la rencontre des gens, des populations, de voir, de découvrir des villes, des montagnes, des déserts, des océans, des forêts. Et puis le voyage, c'est aussi l'école de la débrouillardise. Il faut sans cesse se débrouiller, s'adapter. La nature, elle est belle. La nature, elle nous offre humainement tout ce dont on a besoin. Que ce soit nos besoins primaires pour manger, boire, respirer, mais également de s'émouvoir, de s'émerveiller. La nature, elle est incroyablement belle. Dépend totalement de la nature. On en a besoin. Et mon rôle, moi, en tant que photographe, c'est de pouvoir montrer toute cette beauté, montrer toute cette diversité, pour pouvoir un petit peu toucher les gens et les sensibiliser pour qu'eux aussi aient l'intention de la préserver.